J'avais le détecteur de mine, c'était moi qui étais en avant, puis qui devait s'assurer que le chemin était clair pour les gens dans ma section, qui eux marchaient en file indienne, donc derrière moi. Mon nom est David Brodeur, je suis lieutenant au sein des Canadian Grenadier Guards, un régiment d'infanterie de Montréal. Puis j'ai été déployé avec le Royal 22e Régiment en Afghanistan en 2010-2011. Je suis né le 12 septembre 1989 à Longueuil. Je suis dans l'infanterie. Le rôle de l'infanterie, c'est de trouver et détruire l'ennemi, peu importe les conditions. Tous les pays, depuis l'Antiquité, qui ont des armées professionnelles, ont des fantassins. Le rôle du fantassin, c'est oui, de détruire l'ennemi, mais c'est aussi d'accomplir toutes les tâches périphériques par rapport à ça. Donc, pour nous, par exemple, en Afghanistan, ce que ça pouvait vouloir dire, c'était d'aller visiter les populations, de faire de la sécurité pour le déminage, de faire de la sécurité pour des personnes qui travaillaient à rebâtir des infrastructures, ainsi de suite. Donc, moi, j'étais le démineur, si on veut, de la section. Mon rôle, c'est principalement d'avancer avec le détecteur de mines puis d'être très perceptif par rapport à ce qui pouvait sortir de l'ordinaire. Donc, des fils qui sortent du sol, de la terre retournée qui n'était pas là la journée d'avant par une patrouille, ou tout simplement des signes distinctifs qui ont été rajoutés. Par exemple, un drapeau sur un coin d'une rue qui a été rajouté, ça peut être parce que c'est un marqueur pour les talibans pour déterminer où est-ce qu'ils ont laissé leur explosif. On travaillait avec des maîtres canins qui étaient généralement engagés par les États-Unis pour travailler avec nous, qui venaient des pays, surtout des Balkans, comme la Bosnie, parce qu'il y avait beaucoup d'expérience là-bas, justement, pour déminer. Si jamais, moi, je trouvais quelque chose qui était anormal, par exemple, des métaux dans la terre ou quelque chose comme ça, eux, ils venaient. Le chien pouvait faire un deuxième screening, où est-ce qu'il vérifiait avec l'odeur, parce qu'il pouvait détecter les produits chimiques à l'intérieur des explosifs. Si jamais c'était encore positif, bien, à partir de ce moment-là, on pouvait considérer qu'il y avait une bonne probabilité qu'il y ait un explosif à cet endroit-là. Donc, on faisait un cordon de sécurité, puis par la suite, on appelait des ingénieurs qui sont spécialisés là-dedans, qui venaient prendre charge de l'explosif pour le faire exploser. On avait du support de l'artillerie, on avait du support des blindés, on faisait des missions conjointes, ainsi de suite. La raison qu'un groupement tactique existe comme ça, c'est pour avoir un plus gros impact sur le terrain, puis pour pouvoir faire des opérations spécifiquement de combat. C'est arrivé à quelques reprises qu'on en fasse, même si ce n'était pas nécessairement notre objectif principal. La situation sur le terrain était liée directement au contexte de contre-insurrection. Donc, c'est-à-dire que nous, sur le terrain, notre but, c'était pas tellement de trouver et détruire l'ennemi, mais c'était vraiment plus de travailler avec la population pour s'assurer que la population ne devienne pas notre ennemi d'une part et que d'autre part, elle ne collabore pas avec l'ennemi comme tel. Sur le terrain, l'ennemi était principalement dangereux parce qu'il faisait des embuscades. Donc, pour nous, c'était de travailler avec la population, avec les forces locales, donc l'armée afghane, la police afghane, mais aussi avec la population pour s'assurer que, d'une part, leurs conditions matérielles s'améliorent, c'est-à-dire de rebâtir des infrastructures, mais aussi pour qu'eux, ils puissent travailler avec nous. Donc, ils nous donnent les noms ou les endroits qu'il y a des caches. Parfois, on ne pouvait pas savoir qui était quoi ou qui était qui. Donc, c'était très difficile de les trouver. La population elle-même, des fois, devenait complice, soit par volonté directe, c'est-à-dire qu'elle voulait aider les talibans, ou soit par blackmail. Par exemple, ils vont aller voir quelqu'un, ils vont lui dire « Si tu ne travailles pas pour nous en allant placer cette bombe-là ou quoi que ce soit, ben, on va s'en prendre à ta famille. » Donc, ces gens-là devenaient complices de l'ennemi, mais en fait, ils étaient victimes aussi dans cette histoire-là. Le moral était excellent. En général, pour ce qui était de ma compagnie, puis de mon peloton et de ma section plus spécifiquement. C'est sûr que, comme pour n'importe quel déploiement, plus on avançait, plus les gens étaient fatigués, plus le stress commençait à s'accumuler. Et plus, dans notre cas, on allait vers
la saison de combat. C'est lié avec la culture là, de la drogue là-bas, du Pawa, ainsi de suite. Donc pour nous, plus on avançait, plus on était fatigué, stressé, et plus la situation devenait dangereuse. On avait des traducteurs avec nous qui nous aidaient dans nos tâches. Puis plusieurs d'entre eux le faisaient de manière définitivement désintéressée, dans le sens où est-ce que eux-mêmes ils mettaient non seulement leur vie en danger, mais la vie de leur famille aussi en danger pour travailler avec nous, étant donné que les talibans par la suite pouvaient utiliser ça contre eux. C'est déjà arrivé en opération qu'un des traducteurs, pour nous aider dans un combat, il avait même décidé de transporter de la munition, puis il nous aidait à l'intérieur du combat, là, à déplacer des objets, puis ainsi de suite. Donc, il allait au-delà de son travail, tout simplement pour nous aider, parce que pour lui, c'était important ce qu'on faisait. Puis ça avait été... je trouvais que ça avait été... Ça montrait qu'il y avait des gens là-bas qui appréciaient ce qu'on faisait. Nous, on a eu une seule personne dans mon peloton qui a été blessée gravement, puis par la suite, il est décédé de ses blessures après l'Afghanistan. Dans le fond, lui, c'était un vieux caporal. Il avait 30 ans, presque, dans les forces. Puis lui, l'armée, c'était sa vie. Puis il a été blessé par un tir de RPG, de roquette, au dos. Puis on l'a évacué tout de suite. Il est parti de l'Afghanistan. Puis justement, il est décédé, malheureusement, après l'Afghanistan. Qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené énormément au niveau de la discipline personnelle, au niveau aussi de comprendre mes limites. L'entraînement, c'est une chose, mais 8 mois et demi en Afghanistan, ça équivaut facilement à 2 ans d'entraînement. C'est sûr que c'est rien à comparer de ceux qui ont fait, par exemple, la guerre de la Corée ou la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, mais il n'en reste pas moins que c'est une expérience qui permet d'au moins de mieux voir c'est quoi le métier là, de fantassin, ainsi de suite. Ça m'a permis aussi de tisser des liens avec des gens jusqu'à la fin de ma vie. Ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que le souvenir, c'est pas nécessairement un souvenir qui doit être personnel, c'est un souvenir qui peut être aussi social. Puis c'est pas un souvenir nécessairement qui doit être en lien avec une émotivité quelconque. La raison que je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens parfois qui, parce qu'ils sont pro-guerre, bien pro-guerre dans le sens qu'ils appuient les Forces armées canadiennes puis leur déploiement, ou contre la guerre, ils vont avoir un jour du souvenir très différent. Mais ça ne devrait pas vraiment être comme ça. Le jour du souvenir, c'est un jour qui est civique, dans le sens où est-ce qu'on se rappelle de des gens qui ont fait des choses extraordinaires, qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'ils ont pu faire. Dans le sens où est-ce que c'est très rare des militaires qui vont volontairement s'engager pour faire quelque chose de mal. Personne ne s'engage pour ça. Les gens s'engagent soit parce qu'ils sont obligés par la force des circonstances, comme par exemple avec la conscription, ou tout simplement parce qu'ils pensent faire la bonne chose. Donc, à ce niveau-là, je trouve que ces gens-là, on ne devrait pas les considérer par rapport à nos jugements moraux et émotionnels. On devrait plutôt les considérer par rapport aux exploits qu'ils ont accomplis puis au dévouement qu'eux ont mis dans des causes qu'ils considéraient justes et importantes. Puis une de ces causes principales-là, si on peut le demander à n'importe quel vétéran, une fois qu'on est rendu en terrain opérationnel, la mission au niveau politique, ça a le plus tant d'importance que de juste faire son travail pour s'assurer que son camarade à droite et à gauche revienne à la maison avec soi. Le but, c'est qu'on fait ça quand on est au combat, on fait pas ça pour nous-mêmes ou pour la mission ou pour peu importe, on fait ça pour nos camarades de combat. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut être contre le fait que des gens se sacrifient puis se dévouent à la sûreté de leurs amis puis de leurs camarades de combat.